Bonjour YouTube, on est sur un Let's Play de Star Wars Battlefront 2, on est en live, j'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Première mission, Liberté le Nettoyeur, on va voir ce que ça donne cette campagne Star Wars, et c'est parti. N'oubliez pas de récupérer vos récompenses dans la page carrière. Qu'est-ce qu'on a là? Un droïde tactique ID-10. Tu es bien plus avancé que l'ID-9. Ça va pas être facile de te pirater. La bonne gueule. J'aimerais bien, mais je n'ai pas le code d'accès de ce droïde. Puis-je vous suggérer de trouver le code d'accès? Le capitaine y travaille au centre de... Oui, c'est sûr, Arcade. Ça va arriver. En attendant, le seul moyen d'accéder aux données de ce droïde est d'en extraire le noyau mémoriel. Oui, beau. Droïde, exécute le plan. Télécharge les plans du vaisseau depuis leur terminaux, puis retrouve-moi. Waouh. Alliés personnels, droïdes et clients. Envoyez des renforts immédiatement. Voilà ce que je dirais si seulement quelqu'un pouvait m'entendre. Hein? Ne touchez pas à ça. Marrant, ça. Il se passe pour continuer. Faut qu'on pirate un peu tout ça, c'est ça? Ça, c'est les caméras. Ce n'est pas autorisé. Ah, donc ça, c'est moi, ça. Qu'est-ce qu'il veut? Rejoins-moi par le système de ventilation. Ok. Ok, je rigole pas, en vrai. Hop. Je connais ici. Ouais, c'est vrai qu'une gueule pareille au réveil. C'est un peu pour ça que je mets pas la cam non plus, hein, d'ailleurs. Enfin, cet après-midi, on la mettra pour PUBG. Il faudra qu'on se rattrape un peu là sur PUBG. Ventilation, elle a dit. J'ai pas écouté ce qu'elle a dit, quoi. En avant, droïde. J'ai pas écouté ce qu'elle a dit, c'est terrible. Ah, c'est quoi? Ça, c'est juste des caméras en vrai. C'est juste des caméras. Bien vu ça. Hop. Terrible. Donc ça devait pas être gentil. Allez, on ressort de là. Salut Spoopy, j'avais pas du tout vu dessus de la porte en vrai. Je te commande un rapport sur la production impériale. Merci, on a besoin de toute information qui pourrait servir à l'attaque de l'étoile de la mort. Donc, la jauge de détection montre à quel point les rebelles sont conscients de votre présence. Lorsqu'elle se met à clignoter, c'est l'alerte générale. Hey, avance à l'équipage. Le commandement veut des nouvelles avant Endor, si c'est possible. Ça prend plus de temps que prévu. La situation est étrangement complexe. Je peux faire un peu vite, mais je ne ferai rien. Le ferai passer. Faire attention, ça part de là. Hein. Matin de tuile, c'est déjà des missions d'infiltration. Aïe 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 aïe. Il y a trop de rebelles devant ma cellule. Je veux ça. Salut Aristrucan. Ce que je pensais, je vais peut-être pas m'avancer.
quand même. Presque, presque. Allez, on sort de là. Ça, c'est sympa cette petite mission quand même avec ce petit droïde. Monsieur. Ah! Actuel de voyage. Là, vous en êtes où? Oui, c'est ça. L'alimentation du canon iodique est coulée. What the? Je vais pas y mettre un choc électrique. C'est terrible tous les gens qu'il y a là. J'ai pas pu faire grand chose. Peut-être que je peux le faire que sur... je sais pas. Bon, on va dire que je suis un maître du camouflage. Ok, il y a juste le méchant, il faut attendre un petit peu. À part, je peux peut-être décoller dans ce genre là, rien voir. Ça va, il voit rien. Je suis un magicien. Voilà. Ah, je suis grave doué en vrai. Le temps de biscuit dans tous les murs, c'est insane. C'est vrai. Oh, c'est grave stylé, biscuit. Ah là, il est là. Elle est là. C'est Goyard, il est là. La badass qui va mettre des pieds bouche. Le timing est parfait. Allons-y. Et boum. Agent Ask, vous me recevez? Bien reçu, commandant Versilon. Le timing est parfait. Je me dirige vers le centre de communication. Merci. Quand j'aurai trouvé et détruit le message impérial volé, je donnerai le signal d'extraction. Droid, ouvre la cellule. C'est joli, hein. On sortira qu'après l'opération d'Endor. On verra à ce moment-là ce qu'on fait de toi. En attendant, tu t'assois et tu te tiens tranquille. Ouah ! Ah oui, ok. Bah voilà. C'est la fin de ce let's play. Bonne matinée à vous. Des bisous. Salut Breeder 48. C'était bizarre. Agent Ask, vous me recevez? Bien reçu, commandant Versilon. Le timing est parfait. Bah, Far Cry, tout ça, ça fait partie du let's play, donc ça sera du mercredi, oui. Quand j'aurai trouvé et détruit le message impérial volé, je donnerai le signal d'extraction. C'est terrible. Droid, ouvre. Donc, du coup, c'est la molette qu'il fallait plus. Après l'opération d'Endor, on verra à ce moment-là ce qu'on fait de toi. Voilà. C'est ce que je disais. Ok, choc élimine les ennemis lorsque la jauge est pleine. Bien utilisé, il peut également neutraliser les véhicules. La jauge se remplit quand Iden inflige des dégâts aux ennemis et réalise des tirs en pleine tête ou des éliminations furtives. Ok. Les rebelles ont compris que vous vouliez vous faire prendre. Ok, j'ai fait les deux. C'est pas grave. Alors décharge, on ne suit pas le protocole habituel. On aurait dû détruire leur vaisseau. Ça aurait soulevé trop de questions. Pour ce travail, mieux vaut être discret. Je comprends, commandant. Ici l'amiral Akbar. J'appelle l'un des effectifs. Vous avez maintenant connaissance de la balise qui dirige les vaisseaux de l'Alliance vers le système Galar. Avec cette rue, yo, yo. Nous détournons l'attention de l'Empire de Sulust. Nous réunissons yo. Pour attaquer Endor. Les rebelles pensent toujours qu'on n'est pas au courant pour Sulust. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend sur Eldor. Et il faut que ça continue. Ah. Si les rebelles décryptent la transmission avant que je la détruise, tout. Est-ce que ça veut dire que maintenant je peux tirer partout? Maintenant, c'est pas basculer, la vue.
à la première personne vers la vue de la troisième personne. Ah oui, voilà, il faut rester comme ça. On va rester comme ça pour le moment, hein, ouais. It's a trap, oui. Ça y est, on met le cap sur Sulus pour rejoindre le reste de la flotte. J'ai reçu les coordonnées du capitaine. Préparez l'hyperdrive. Un petit coup d'électricité ne fait jamais de mal. Ok, c'est bon. Oh, ça va, il a pas vu son pote. Mais... ça va, ils ont rien entendu. Chut. Ok, TP, Papoun. Ok, ça passe. Allez, pirate, pirate. Ça va très bien, Breeder, ça va très bien, sur la photo aussi. Ça va passer, ça va passer. Agent Ask, j'ai atteint le centre de communication. Ok, c'est bon. Supprimer le message déclenchera l'alarme. Soyez prêts pour l'extraction. Ok, c'est bon. Bien reçu. J'ai localisé le message crypté. C'est bon. C'est bon, je suis trop fort pour eux, ils comprennent pas grand chose. Très bien. Salut Dimmer, comment vas-tu? Pourquoi engager des sourds et des malentendus comme gars? Ah, je sais pas. Nickel, au boulot devant ton live. Bah, c'est parfait. C'est ce qu'il faut. Les rebelles ne pourront plus rien trouver. Prisonnier impérial s'est échappé. Agent Ask, allez, c'est le moment. Commencement des préparations. Je prends un blaster et je me rends au point d'extraction. Allez, on est au blaster. Je suis en route. Le corps s'y sera. Trouvez le sas du MC-80. Bon, après ils ont aussi affaire à Giuseppe. Prochain Jedi. J'ai un Jedi refoulé. Il arrête. Ah, tirer pour les panneaux de commande pour ouvrir les... ah! Ça c'est cool. Ok, ça passe. Envoie l'électricité. Ça soit bien jaune, beaucoup plus que bleu au niveau du reload sur la surchauffe de l'arme. Après, c'est un peu pire que les Stormtroopers en vrai. Ok, ça passe. Ça doit te faire malade, lui. Droid, lance un piratage. Ah. C'est pas ça, c'est tout. Oh putain, le... la tête dégoûtante. Ah. Touche non assignée. C'est quand tu veux. Ouh, c'est chaud! C'est de vie. Ok, c'est bon, ça remonte. Il y a une tête de citrouille là-bas, inside. Pas mal, il est pas mal. C'est bon.
vise la tête hein. Voilà, parfait. Vous avez ça terminé la mission, le nettoyeur. Je vais pas de récupérer vos récompenses dans la page carrière. Préparez-vous à l'extraction. 3, 2, 1. Et t'excuses de tirer sur une porte pour pas fight et tu t'en fiches. Oui, je veux tuer des gens. Exactement. Voilà, Goya s'est échappé. Tiou. Agent Ask. Commandant, sur le pont. Ah. Mission accomplie, commandant. Et sans commandant, du perte, coup. Vous ne serez pas commandant aujourd'hui. Oh, je suis patient. Je peux attendre. Agent Miko, vos calculs de saut étaient parfaits. Merci, chef. L'atterrissage n'était pas trop brusque. J'ai connu pire, comme l'expédition sur Jabez. Je suis pas prêt de l'oublier. Contactez l'amiral. Bien, commandant. Et le message? La position de la flotte est toujours secrète. Aujourd'hui, la rébellion meurt. Ah, c'est pas gentil, ça. Ah, elle a mis des pibouches à tout un vaisseau, oui. On est d'accord que normalement, si tu te défenestres dans l'espace, tu exploses. Bah, ça dépend, en vrai. Hein. Elle avait peut-être ce qu'il faut, un peu plus tard. Genre 45 minutes quoi. Ah, c'est la flèche qui dit c'est par là. C'est les panneaux de signalisation dans l'espace en vrai. Ah. Passez-moi les squads Inferno, maintenant. Inferno. Ok, il lui a dit. Hein. Oh, wow. Commandant Versio, au rapport. Nous avons une équipe de récupération rebelle en visuel, mais il est trop tard pour prendre les saboteurs. Quel est le statut du générateur de bouclier de l'étoile de la mort? C'est beau quand même. C'est pire que prévu. On ne peut ni réparer, ni réactiver. Donc notre station de combat est vulnérable. Éliminez les rebelles et retournez sur le Corvus. Il faut surtout pas que le plan de l'Empereur échoue. Bien, à vos ordres. Ask, suivez-moi. Del, vous nous couvrez, on y va. C'est bien vu, hein. Une cible, droit devant. Allez, suivez-moi. Compris, commandant. Quelle est la situation? Dites au général Solo que ça pourrait prendre un moment. Au général Solo. Tu te tais. Attention, commandant. Une cible en approche droit devant vous. Tout ça, droit devant moi. On s'approche pas du tout. Avant-garde série d'élimination. Version d'amélioration d'avant-garde qui prolonge la durée de la capacité à chaque ennemi vaincu. Équipé carte. Qu'est-ce que c'est? Ok. Ah, on gagne des petites cartes. Très bien ça. Pardon. Ok, on va lui faire ça. Vas-y. Pardon. D'accord. Ah, vous savez, moi les infiltrations. Moi les infiltrations, ça se passe plutôt comme ça. Ah, la petite MG, je pense. Oui. Truc qui tire un peu partout là. Parfait. Ah, c'est un petit scan. Ok, ça passe. Continue à les décoller. Vas-y, droïde. Commandant, renfort rebelle en approche. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, commandant. Compris.
Et vous Dell. C'est quoi ça? Ah oui, ok. Paye-moi ça. Grenade. Voilà, on avance comme ça. Par ici, commandant. Ok, c'est bon, c'est bon. Je me suis emporté, je me suis emporté. Ça, le pompe est pas trop de suite. C'était le dernier. Regroupez-vous et préparez-vous à partir. Pas dégueu. Regroupement. Hop. Petite attaque, boum. Allez, regroupement. Wow. Ok, il y en a forcément d'autres. Les commandements rebelles ont déjà dû s'en aller. On devrait y aller aussi. On est près de la plateforme 4. Est-ce qu'il y a une navette? Non, que des chasseurs TIE. C'est encore mieux. On ferait mieux d'être prudent, on sait pas combien il y a de rebelles ici. Non, on s'occupera d'eux comme on s'est occupé des autres. Aujourd'hui, on éradique cette vermine une bonne fois pour toutes. Wow. Le nazi, quoi. On se reprend, agent. On se recueillera plus tard. Pour l'instant, il faut vraiment qu'on bouge. C'est l'étoile noire qui vient d'exploser là. Avec vous, commandant. Tiens, je veux le même casque. Nous devons atteindre la plateforme 4 et récupérer ces chasseurs. Je veux le même casque qui arrive. C'est notre seule chance de rejoindre. Très fat. Agent Miko, vous partez devant. Oui, Miko, va devant. Ouais. Agent As, contactez les viscérateurs. Je dois m'entretenir avec l'amiral. Bien, commandant. Je vous mets en communication. Bah je sais pas, on dirait que l'étoile noire vient de péter. Quelle est la situation? Le vice-amiral Sloan a ordonné la retraite. Quittons le système. J'ai un mec dans ma main. Survivez. Jamais les coordonnées. Donnez à vos ordres. Quand nous aurons atteint le corpus, nous rappellerons. Ok. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Le piège était parfait. Bah moi non plus, hein. Je sais pas trop. Le haut commandement a ignoré une information cruciale. Encore. Non, c'est pourquoi. Les rebelles étaient moins nombreux et moins bien armés. C'est simple. L'empereur a sous-estimé la force de l'ennemi et nous en avons payé ah, le prix. Ça brûle ici. Commandant, Commandant, ça brûle. Joue la corde. Je sais. Attention, commandant. Patrouille rebelle en approche. Ça aussi. Merci, agent Miko. On s'occupe de lui. Ouh, ils sont tous là-bas. Et bah, c'est parti! J'ai un visuel sur la patrouille. On devrait les abattre. Je me charge d'eux. Après. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. J'étais pro player en hein, PVP. J'ai une embuscade rebelle en visuel. On a perdu une navette et nos hommes sont débordés. Continuez à jouer. Oh! Les potes! Yo 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 yo! Les rebelles les ont pris au piège! Oh, le pro player qui se met des grenades dessus, hein, avant si. J'avoue que ça peut s'infiltrer partout et mourir, quoi. Merci, chérie. Merci pour tes petites tartines, chérie. Tout le monde te remercie. T'as les moins froides, chérie. Petite femme qui m'amène mon déjeuner. Trop mignonne, hein. Ah, et je reviens de faire une autre bêtise. Mais c'est pas grave. Ça arrive, il faut bien un côté fun aussi. Hein. Oh, du coup, il faut que je retue toutes les squads. Ah, terrible. Attention, commandant. Patrouille rebelle en approche. Terrible, terrible. Merci, agent Miko. Allez, on les rescanne. J'ai un visuel sur la patrouille. Une réserve. On devrait les abattre là. C'est bon, ils comprennent pas ce qui se passe, là, sans. C'est comme les Stormtroopers. J'ai une embuscade rebelle en visuel. Ouais, j'arrive. La bête et nos hommes sont débordés. Continuez, agent. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Je suis là les potes, c'est bon. Hop, ouais, on va mettre une meilleure grenade. Hop, vous voyez, ça passe. Voilà. Allez, donnez vos positions et ripostez. Les squads Infernal. Qui a voulu Stormtrooper là? L'Empire évacue Endor. Repoussez ces rebelles.
C'est les soirées derrière l'arme là. Ce sniper. Easy day chef. Wouh. Bon, il a quand même réussi à ajouter sa grue. Petit scan. Droïde neutralisé. Oh, allez, on va lui faire ça. Rien. On les a tous. Bah, c'est bon. On peut repartir. GG. Oh. Nous n'attendions pas les forces spéciales. Regardez-les. En tout cas, on vous doit une fière chandelle, commandant. Un jour, je m'achèterai un cosplay comme ça là. Je serais trop beau. Un problème avec votre arme? Ah ouais? Désolé. Terrible. Ah! Ça m'intéresse. Vous avez entendu l'inferno? On évacue. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ah, je brûle. J'ai encore jamais vu des armures comme ça. Ah, c'est normal. Tu fais pas partie d'une équipe spéciale, Endor. Des rapports font état de transport ennemi se posant sur Endor. Il déploie des troupes partout sur cette lune. Mieux vaut ne pas s'attarder. Commandant, regardez. Atteindre. C'est par là-bas. Oh. On va tirer un rocket. Bon, on va voir du coup le rocket ce que ça fait. Soyez prudent. Ah. Alors du coup, les officiers augmentent l'efficacité de leurs alliés et peuvent déployer les tourelles défensives. Occupez-vous d'eux en première occasion. Ok. Soyez prêts. À l'attaque. Quoi? Vous semblez dire, ils ne peuvent pas mourir sur des explosions de roquettes. Ordre, Abdel. Tiens. Ah, ça passe. Elle brûle. Regardez, regardez. C'est bon pour nous. Agent Miko, votre position. Elle vient me déblo... elle vient me décale dans le feu. Elle brûlait. Yo, salut les potes. La meuf dit ça avec un lance-roquette, tu sais. C'est terrible. Ok, bah, salut Nutsuko, comment vas-tu? Mais putain. Oh là là, je me trompe avec ça. C'est terrible de se trouver comme ça. Ah. Faut que je fasse un truc. Ça, je vais. C'est l'entraînement, ça. On peut pas prendre ça? Non! Il est où? Aïe aïe aïe! Parce qu'elle a pris, hein. Terrible. Oh, bonsoir. Ah, je peux faire ça. Calme-moi ça. Je peux aller le... électrocution. Voilà, électrocute cette chose.
Zéro dégâts en vrai. Oh le salaud. C'est terrible. Faut que je lui tire dans les pattes, je crois. Non, sûr. Bonjour, chéri. Désolé, je suis à la guerre intergalactique. Oh bordel. Ça passe, ça passe, ça passe. Ok, il meurt. Ah, il y a l'officier, l'officier, l'officier. Pas du tout. Ouais, c'était l'officier. Ok, F2, F2. Ok, ça, ça va. Aïe, 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 aïe. Il m'a vu, il m'a vu. Ça, fait, ça pique. On va aller l'électrocuter. Comme ça moi je peux prendre ça. Est-ce que je peux... Eh ben non. Pars. Enlève-toi. Il voulait pas t'enlever. Terrible. Boum. Au revoir. Comment? Ah, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est? Voilà. De surveillance à terre. Je répète, CSCT à terre. Même avec une puissance de feu supérieure, les rebelles ne peuvent pas gagner. Oui, ils peuvent pas gagner. C'est normal. C'est fait exprès. Continuez à sécuriser cette plateforme. Je vais scan. Localisation des ennemis. Ah, c'est bon. Attends, la nuit supérieure. Ah, je crois qu'elle est partie, elle m'a pas fait de bisous. Oh là là. Oh là là. L'erreur. L'erreur de la Juice TV. Comment ça, ils sabotent le vaisseau? Et sécuriser les chasseurs DIE pour notre fuite. C'est vachement, ouais. J'ai vraiment hâte. Putain, mais c'est la guerre et elle marche. Scan. En avant. Allez, deux fusils d'abord. Ah, on est le premier DIE. Préparez le corpus pour la retraite. Bien, commandant. Ça va. Regardez-le lui. Chalo. Session pompe. J'arrive. Monsieur, monsieur, monsieur là-bas. Touche pas mon vaisseau. Monsieur. N'importe quoi ce moment, en vrai. Je décolle, commandant. Je suis prêt. Sécurisé, sécurisé. Localisation des ennemis. Oh. Pour avec nous, commandant. Non, je sais pas conduire, par contre. On se retrouve là-haut. Par contre, il va être horrible, on va tous revenir. C'est une ah. On se retrouve là-haut, du coup. L'amiral a créé Inferno pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Je sais. J'ai du mal à croire que c'est tout ce qui reste. Je veux voir des comelles pour savoir ensuite. C'est bientôt, hein.
Ah les gars, ça... ma conduite va être... Oulala, ça va être terrible. Cette destruction montre le vrai visage de la rébellion. Je sais pas conduire les vaisseaux sur le jeu. On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère. On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, bon, j'en suis convaincu. Comment est-on censé combattre ça? L'Empire évoluera. Une idée, moi je vais te suivre en vrai. La première étoile de la mort a été détruite. On s'adapte, ou on meurt. Ok, donc ça c'est pour accélérer. On a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Le Corvus a été endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. Les machines sont touchées, mais l'équipage les répare. C'est quoi le jour passé? Demandez les coordonnées du ralliement à l'amiral. Terrible. Ah, l'espace, bonjour. Ah non, mais moi je sais pas conduire ce truc. Y'a un mode multi où c'est que des vaisseaux, je suis dans mode. Bonsoir. Y'a pas moyen de sortir de ce décor là, je veux pas faire comme lui. Lui il est. Expérimenté. Regardez où il passe ici, moi je sais pas. Ok, est-ce qu'il y a moyen de se mettre en première personne sur ce jeu vidéo dans un avion? Parce que sinon je ne sais pas le faire. Hein. Troisième personne, c'est terrible. Voilà, je préfère. Cette destruction montre le vrai visage de la rébellion. Et c'est pour ça que nous... Après, moi je suis pas quelqu'un qui ment, hein, je vous l'ai dit. Hein. On a essayé de leur faire peur, on les a juste mis en colère. On m'a dit un jour que les rébellions se fondaient sur la haine. Depuis, j'en suis convaincu. C'est vachement chaud. Comment est-on censé combattre ça? L'Empire évoluera, comme lorsque la première étoile de la mort a été détruite. On s'adapte, ou on meurt. Lorsque la première étoile de la mort a été détruite. Non! Ouh! Commandant, on a un problème. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Le Corvus a été endommagé par l'explosion de l'étoile de la mort. Les machines sont touchées, mais l'équipage les répare. Demandez les coordonnées du ralliement à la mission. Je vais sortir de là. Commandant, je capte des signaux de vaisseaux à l'extérieur du champ de débris. Il y a des impériaux? Très peu. La plupart se sont repliés ou... Mais il m'a fait passer... Oh, non! Non, mais pourquoi? Commandant, je capte des signaux de vaisseaux à l'extérieur du champ de débris. Il y a des impériaux? Très peu. La plupart se sont repliés ou ont été détruits. Je passe pas où il passe. Et le destroyer stellaire de l'amiral? L'éviscérateur s'est positionné près du Corvus. Ah! Il semble être en parfait état. C'est bon, c'est bon, je reviens. Oh. Qu'est-ce que c'est? Je suis devenu pro d'un coup là. Waouh! Débris, attention! C'est bon. C'est fait exprès. Waouh! Ralenti! Je vais vomir! Non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Bonsoir. Alors, est-ce que dans l'espace on a vraiment la tête à l'envers? Oh putain, un peu sauvage. Ok. Agent Ask, nous approchons du Corvus. Bah, je la peux, ouais. T'as vu des moteurs? Système d'injection ionique à 60%. Ah oui, c'est je terrible. Je redirige l'énergie des boucliers pour faire redémarrer les moteurs. Par contre, je les vois, le vaisseau en face. Commandant, chasseur en approche. Ah! Bombardier! Défendez le Corvus! Ah, c'est terrible. Allez les amis, on vomit tous en même temps, attention. Wow, c'est passé quoi là? Je sais pas ce que j'ai fait. Je pense qu'on va être bloqué ici. Ah! Ok, je suis un monstre. Ça c'est quoi?
Wow. Putain, je me suis mis derrière comme un 45. Ces bombardiers mettent le Corvus en pièces. Pas de quoi, il fait rien. Sérieux. Touche pas mon vaisseau. C'est pas grave, on l'a eu. Ça va, ça. Au rapport. On a les coordonnées du ralliement. L'équipage a besoin de temps pour réparer le moteur. On va vous le donner. Agent Miko, allons nous occuper de ces bombardiers. Ça, je suis devenu un pro. Les moteurs seront bientôt prêts, commandant. T'as les gars, je suis devenu un pro. En approche sur mon radar. Matin, agent. Meurs. Hello darkness, my old friend. C'est vrai que le système de monnaie est pourri dans le jeu. Oui, Stormtrooper. Oh putain, il y a Stormtrooper sur le. Oui, c'est la campagne. Oh non, il faut tout. Oh my. C'est pas possible. Système d'injection ionique à 60%. Je redirige l'énergie des boucliers pour faire redémarrer les moteurs. Ah, c'est terrible. Commandant, chasseur en approche. Les bombardiers, défendez le Corvus, il n'a pas de bouclier. Putain, c'est terrible ce que je viens de faire. Il n'y avait pas de. Ok, je me fais poursuivre comme un rat. Les bombardiers lancent leur attaque. C'est terrible, les deux. On va essayer de faire des lignes droites. Quoi la balistique, on dirait plus. Ouh, c'était chaud. Ces bombardiers mettent le Corvus en pièces. Allô? Mais c'est terrible, arrête de tourner contre. Ce genre de jeu là. Ça c'est terrible, une mission comme ça en vrai. Ceux comme moi qui sont pas dos dans les airs. Surtout en stream. Meurs. Voilà. Agent A, au rapport. On a les coordonnées du ralliement, mais l'équipage a besoin de temps pour réparer les moteurs. C'est bon, on ça va vous donner. Agent Miko, allons nous occuper de ces bombardiers. Allez. Pas faire de bêtises. Les bombardiers, pour les bombardiers. Voilà. Hop,
ok, ça c'est... Non, 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 mais non, non. Mais non. Agent As, nous approchons du Corvus. Statut des moteurs. Système d'injection ionique à 60%. Je redirige l'énergie des boucliers pour faire redémarrer les moteurs. Commandant, chasseur en approche. Les bombardiers, défendez le Corvus, il n'a pas de bouclier. Je vais me mettre en dehors de tous ces débris de mort là. Pour ton sub. S'il y a des petits abonnés, les amis, des bras en l'air pour nouveau, ça serait super gentil. Escouade Inferno, l'amiral et moi, nous vous rejoindrons plus tard. Et bon, j'ai compris, commandant. Oh putain, c'était terrible. Oh là 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 là. Oh là là là. On a réussi, on a réussi. Allez, on rentre à la base. Et boum. Waouh. Oh waouh. Vous vouliez me voir, amiral? Approchez. L'empereur est mort. Ah! Qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons riposter, commandant. L'Empire va s'attaquer à la fondation même des convictions pathétiques des rebelles en leur propre force. Alors, Eden, qu'est-ce qui leur donne une telle force? Salut, Paul! Laisse-moi voir. Correct. La présence de ce messager est un grand honneur,
un honneur que je veux partager avec ma fille. C'est mon père! Encore une histoire de père. Amiral Versio, le moment est venu de commencer l'opération Cendre. Résistance, rébellion, sédition. Nous ne saurions laisser ces concepts persister plus longtemps. Vous êtes l'une des nombreuses flammes qui permettront de réduire en cendres ces idées dissidentes. Suivez mon messager. C'est lui qui vous conduira jusqu'à votre cible. L'opération Cendre est le tout dernier souhait de notre cher empereur, mais aussi le premier pas vers un futur stable. Inferno est essentiel à sa réussite. Il est la cible. Vous n'êtes pas habilité. Wow. Cette information attendra. Pour l'instant, voici vos prochaines missions. Elles sont singulières. Mais nous vivons une époque singulière. Allez, commandant. Faites notre fierté. Ok, père. Dans le cadre de l'opération Cendre, nous sommes envoyés au chantier naval de Fandor. Agent Ask, vous et moi, nous récupérons le Gondor pour le destroyer stellaire Dauntless et assurons la sécurité du Moffret. Agent Miko, le service est à vous. Commandant, nous contrôlons les satellites. Beau travail, agent. Le Moffret a informé l'amiral que l'opération Cendre peut se mettre en marche. Attention, attention, des vaisseaux rebelles ont pénétré l'espace de... Mais que se passe-t-il? Salut Darkspear. Oui, la campagne est très bien pour le moment, c'est cool. Oh non, pas! Non! 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 Les amis, c'est ici qui s'achève ce premier Let's Play sur Star Wars Battlefront 2. Nous revenons sur un prochain Let's Play. J'espère que le premier Let's Play vous aura plu. Des bisous, à tout à l'heure.